Ivoirienne, bonjour. Nous qui sommes à l'extérieur du pays, c'est sur Facebook que nous prenons les informations relatives à notre patrie, relatives à notre terre d'accueil. Mais nous nous informons aussi sur les radios, sur les télévisions internationales. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation très bizarre. Nous rions sur Facebook. Nous nous moquons sur Facebook. Chacun a le droit de dire ce qu'il ressent, de s'exprimer. Aujourd'hui, il est question de Soro Guillaume et du président Alassane Ouattara. Deux personnes qui ont mené un projet funeste sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, rien ne semble aller entre les deux compères d'alors. Certains disent que c'est la comédie, certains disent que c'est une mise en scène, peut-être. Aujourd'hui, les forces vives de la nation se sont tues. Personne ne parle. Est-ce par peur? Est-ce par inquiétude pour ne pas mouiller son pain? Ce pays, la Côte d'Ivoire, est le nôtre. Aujourd'hui, quelqu'un qui a porté le glaive dans le cœur de la mère patrie, ce que nous savons tous, personne n'apprend rien à quiconque sur Facebook. On relaie les vidéos, les anciennes vidéos de Soro Guillaume, on relaie tout ce qu'il avait dit. Tout ça, c'est bien beau, on le sait tous. Il n'y a rien de nouveau. Personne n'apprend rien à personne. Je dis toujours que nous qui sommes à l'extérieur, on souffre doublement. Parce que nous ne sommes pas au pays. On ne sait pas comment ça va se passer. On perd le sommeil. C'est difficile de dire, moi je m'en fous, je suis ici, je suis bien. C'est difficile. Moi, pour personnellement, je n'arrive pas. Aucun chef coutumier ne dit mot. Aucun responsable religieux ne parle. Personne ne parle. C'est le silence total. Et pourtant, chaque fois, on voit combien le pays est en train d'aller vers quelque chose qui va exploser. En 99, ça s'est passé rapidement. On n'a pas vu venir. En 2010, les gens étaient, il y avait deux camps. Le camp de ceux qui étaient contre, le camp de ceux qui étaient pour. Qui sont ceux qui sont morts? C'est la population. Qui sont ceux qui ont tout perdu? C'est la population. Qui sont ceux qui sont en exil aujourd'hui? C'est la population. Et c'est en train d'arriver encore sous nos yeux. Nous applaudissons. Aujourd'hui, tout le monde applaudit, en tout cas une grande partie applaudit. C'est bien fait pour Soro, c'est bien fait pour ceci, c'est bien fait pour lui. On lui avait dit, on présente la photo du président Gbagbo qui fait comme ça. Oui, tout ça là, nous le savons. Il n'y a rien de nouveau. Personne n'apprend rien à quiconque. Mais le pays dans tout ça. Et le pays dans tout ça. Et ces populations qui sont là-bas, qui ont peur, qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Est-ce que quelqu'un pense à ça? Est-ce que quelqu'un pense à ça? Nous tous, on est en train de voir ce qui est en train de se passer. Tout le monde regarde. Tu parles, on dit, ouais, on ne peut pas oublier, il a fait ça là, vraiment, on ne peut pas laisser. Oui, on ne peut pas laisser. Mais quand ça va exploser là, ce ne sera pas lui seulement qui va subir les contre-coups. Ce sont les pauvres populations encore qui vont tout perdre, qui vont être obligées d'abandonner, de fuir. Quand c'est arrivé en 2010, en 2011, moi j'avais de la famille à Abobo, j'avais mes affaires à Abobo. Ils ont été obligés de tout abandonner puis fuir. Des gens ont été traumatisés. Et jusqu'à présent, les contre-coups. Parce que quand tu parles, on dit oui, tu n'as pas perdu quelqu'un dans la crise. Mais ce n'est pas une affaire de perdre quelqu'un dans la crise qui fait qu'on est une victime collatérale.
je connais des personnes qui ont été traumatisées jusqu'à aujourd'hui, des femmes qui sont retrouvées ménopausées en même temps, 25 ans, 26 ans, qui se sont retrouvées ménopausées après les événements de 2011. Qui les soigne? Qui les soigne? Personne. La vie a suivi son cours. Mais est-ce que quelqu'un s'est une fois posé la question des traumatismes que ces personnes ont subis? Personne ne s'est posé la question. On est allé aux élections. Sur du faux toujours. Et aujourd'hui, les événements sont en train de se dérouler sous nos yeux. Nous dansons, nous applaudissons, nous disons c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je n'ai demandé à personne d'aller mourir pour personne. Eli ou là. Je n'ai demandé à personne d'aller mourir pour personne. Jamais je ne le ferai. Jamais je ne demanderai à quelqu'un de descendre dans la rue. Parce que ce n'est pas mon tempérament. Ce n'est pas mon tempérament. Je ne vous ai pas demandé d'aller mourir pour Soro, Eli ou là. Je suis une personne très responsable. Très, très responsable. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est pour notre pays. Il est temps de faire en sorte que la balle fait descendre la pression. Il s'agit aujourd'hui de Soro et puis de Ado. Et pour ça, des millions de personnes doivent payer. Pour ça, des millions de personnes doivent payer. Est-ce qu'on se rend compte de ce que nous faisons sur Facebook? L'émotion qu'on apporte, l'égrégore qu'on apporte au pays, est-ce qu'on se rend compte? Quand on demande aux gens de prier, là, on dit rester en prière, ou bien on dit on fait une veillée de prière, c'est pour que le même égrégore aille dans le même sens dans un endroit précis. C'est pourquoi on dit aux gens de prier souvent, on fait les veillées de prière. Mais si nous, notre égrégore, on ne l'envoie pas ensemble dans un même endroit, dans un même environnement, dans un même casier, on va se retrouver encore dans la même situation. Soro a fait, oui. J'étais en Côte d'Ivoire. On ne m'apprend rien. Personne n'apprend rien à personne. Les chefs coutumiers qui gèrent des personnes, les responsables religieux qui gèrent des personnes, personne ne parle. Par peur ou par quoi? Par peur ou par quoi? Pensons à notre pays. Pensons à notre pays. Nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé là. C'est nous tous qui avons permis aujourd'hui à ce monsieur-là d'être président de notre pays. Soro en tête. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul responsable. Oui, c'est lui qui a porté le glaive. C'est lui qui s'est mis au devant. Oui, ça là, je ne le nie pas. Je ne le nie pas du tout. Mais l'heure n'est pas à ça aujourd'hui, s'il vous plaît. L'heure n'est pas à ça là aujourd'hui. Pendant que la maison est en train de brûler, c'est là qu'on va chercher qui allume le feu. Éteignons le feu. Et puis après, on va situer les responsabilités. C'est notre pays. C'est le seul bien que nous avons. Le seul bien commun que nous avons. Je vous exhorte. Pensez aujourd'hui au pays. En cassant le rétroviseur, ne changera rien au cours de l'histoire. Ça ne changera rien au cours de l'histoire. L'histoire a déjà enregistré. Comme l'histoire a retenu les noms de Hitler, les noms de Kadhafi, les noms de tous ceux qui ont fait du bien ou du mal, l'histoire a retenu. Donc l'histoire va retenir que c'est Soro qui a porté le couteau dans le cœur de la mère patrie. C'est Soro qui a été le complice. Tout le monde s'est rentré dans l'histoire. On le sait. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de regarder les événements se dérouler, on doit danser, on doit rire, on doit se moquer de celui qui est en difficulté. Mais les conséquences, c'est notre pays qui va les payer. Les conséquences, c'est notre pays qui va les payer. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Même si lui, on la bat aujourd'hui, la vie sera. Si on la bat aujourd'hui, si on le tue aujourd'hui, ça va changer quelque chose ?
Ça va changer quelque chose au cours de l'histoire? Non, ça ne changera pas quelque chose au cours de l'histoire, parce que l'histoire va retenir ça. Mais les conséquences, ce sont nos parents qui vont les payer. Les conséquences, c'est notre pays qui a déjà reculé, qui va reculer encore. Ce sera encore des exilés, ce sera encore des déplacés, ce sera encore des blessures psychologiques que les gens vont traîner encore des années. C'est ce que j'avais envie de lancer comme cri du cœur. Et je dis, je ne me lasserai pas de demander aux Ivoiriens de se mettre tous ensemble pour essayer de préserver leur pays, pour essayer de sauver leur pays. Merci.